Le gîte du Var est situé à proximité du lac Saint-Charles, à environ 20 km de la ville de Québec. Je vous y passerai, je n'en doute pas comme nous, un excellent séjour. Voici un petit film très simple qui vous montre ce lieu. Paraît que ton contrat achève. Tu reprends l'avion à la fin du mois. Écoute un peu, je serai brève. Tu vas me manquer. Pas juste à moi. Comme à ces filles dans les baraques, peuplées à mort dans le désordre, avec des cousins qui les traquent dans un garde-robe, au bout d'une corde. Il n'y en a pas une qui se protège de vouloir être seule avec toi. T'es attirant comme un beau piège, tes lèvres brillent comme un appât. J'aimerais te dire comment je me sens, je suis vraiment bien avec toi. T'es fin, t'es doux, puis t'es vaillant. T'as un beau sexe, je le veux pour moi. Les filles à soi font un cortège pour ramper jusque dans ton lit, pour commettre le grand sacrilège, aimer un blanc, mouiller son nid. Juste y rêver, saler console, je te transmets leur gratitude et les aiguilles de leur boussole. Tu te demandes peut-être pourquoi je prends point un nom de ma rivière quand il s'allonge auprès de moi. J'ai l'impression qu'ils sont mes frères. Les gars ici n'arrachent beaucoup, ils viennent au monde, c'est même banal, avec une flèche plantée dans le cou, et quand ils parlent, ça lui fait mal. Sont pris dans un capteur de songe, à la coop pour va-t-on voir. Ils achètent de la poudre à mensonge et partent la chasse aux idées noires. Quand leurs fusils ont tout vidé, ils prennent alors nos cœurs pour cibles. Toi tu m'as pris sans posséder. On aime un homme quand il est libre. Je sais pas pourquoi ça me fait penser, peut-être qu'une femme t'attend là-bas. Comment te dire sans t'offenser, rien d'éternel ici-bas. C'est peut-être pas bien ce que je dis, mais bon, peux pas savoir comme je fais de mon mieux. Juste pour te dire qu'on fait des ponts où les rapides sont furieux. Souviens-toi de mon nom, Elsie, comme du vent doux sur la toundra. Et si un jour ton cœur choisit, j'aimerais tellement qu'il vienne à moi. Et si jamais c'était le cas, faut que j'aille à Montréal cet automne. M'amènerais-tu dans le bout d'Ocas, voir les couleurs, manger des pommes? Est-ce que tu peux faire?
Il était tellement concentré. Bon, pas à gauche, ça va. Ah, t'as pas de bord. Il était à gauche, puis maintenant t'es le dos au fond. C'est ça. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendue pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop chèvrette en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre.